Salut les bâtisseurs. Donc, petite pluie. Ça aurait pas été trop grave s'il n'y avait pas eu le vent en même temps qui m'arrachait le dernier étage. Donc là, je me suis fait une pointe provisoire. Il y a assez de marge, comme ça je pourrais la reprendre quand je serai de l'autre côté. Et puis ça permet aussi de passer la corde sans être embêté. Donc je vais pouvoir agrafer provisoirement cet écran sous toiture, en remettre un par-dessus auquel je vais remettre des cordes pour l'accrocher. Faudra que j'installe toutes les contrelattes en croisant les coupes. Et enfin, faire le litelage pour enfin mettre la couverture en ardoise. Et je pourrais en venir à bout de ces November Rain. Bon, ça ne fonctionne qu'en partie, mon histoire. Pour l'instant, ça va, mais quand il y aura une tempête, ça risque de tout partir. Thank you.
Oups. Le cloueur de charpente, c'est un peu lourd et un peu cher, mais c'est vraiment bien pratique. On peut clouer à une main n'importe où, sans jamais se louper. Allez, petite vérification. Les premiers litos sont à 6 cm et ensuite tous les 11,5 cm. Cordeau traceur, cordeau clasheur. Bon, bah là quelqu'un est venu m'aider pour mettre les fixations de gouttières et surtout me les souder. Il a un peu aidé aussi à remettre des litos, à clouer partout. Alors la volige n'est pas aussi large qu'il aurait fallu, elle fait que 16 cm au lieu de 20. Donc faudra tricher un peu et couper les ardoises pour qu'elles aillent correctement à la gouttière. La première fixation est plus haute que la dernière. Elle est presque au début là, alors que la dernière est environ à 4-5 cm plus bas. Donc fallait voir au cordeau pour respecter la pente et avoir toutes les fixations. Il y a un tout petit décalage à chaque fois. Donc les gouttières sont en zinc, les talons aussi. Le zinc c'est un peu plus luxe et surtout on peut le souder.
Par contre, pour souder, faut être un expert. Il y a tout un art de caresser la soudure, d'y aller doucement et progressivement, mais pas trop doucement non plus. Donc c'est vraiment un vrai métier, ça. Par contre, les naissances, elles sont en acier galvanisé. Bon, il n'y a pas besoin de les souder vu qu'elles sont agrafables. J'ai dû me tromper. Bon, il devait plus y avoir de descente en zinc, du coup j'ai pris en acier galvanisé. Bon, c'est pas trop grave, ça se voit pas tant que ça. En théorie, l'acier galvanisé devrait devenir un peu plus moche au fil du temps. Puis bah surtout, on peut pas le souder sauf si on le meule. Mon bureau est peut-être pas très officiel. Bon, ça va le faire quand même. Le recouvrement est pas tout à fait d'un tiers. Il est un peu triché, un peu plus. Bah comme ça, j'économiserai des ardoises. Et c'est pas plus mal parce que à presque 1 € l'ardoise. Bah voilà. Quand même une sacrée petite fortune. Aussi, j'ai voulu acheter une scie sabre pour couper les bouts des lithos et d'autres trucs. Notamment tout ce qui est faîtage. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Alors, j'ai commandé sur les internets. Sur le vendeur Max Outils. Du coup, pour un outil que j'ai acheté neuf, ils m'en ont envoyé un d'occasion. Et surtout qui ne fonctionne pas, qui est cassé. Alors j'ai fait des réclamations, tout ça. Et ils m'ont proposé en dédommagement 20 €. Je pense que c'est une petite blague. Alors, qu'est-ce que c'est ? Du poulmen. Et voilà, je viens de finir de poser 13 rangées. Bon, ça m'a pris environ 5 heures, c'est vraiment très long tout seul. Heureusement que j'ai le cloueur. On s'en rend pas compte, ça fait des milliers de clous. Je pense qu'il faut au moins 4000 clous pour faire les deux côtés de la couverture. Si c'était à la main, j'y serais encore. Vaut mieux que les lithos soient un peu humides pour pouvoir les clouer sans qu'ils explosent. Quand c'est sec, ça explose facilement. Alors la technique, c'est que je prends le cordeau avec un clou d'en haut, je redescends et je remonte de l'autre côté pour tracer la ligne. Je remballe le cordeau et ensuite j'amène mes planches en haut et je les cloue petit à petit. Et je cloue les coupes en dernier. Petit contretemps, en fait faut pas que je couvre en ardoise dès maintenant. Faut d'abord que je fasse l'autre côté exactement pareil qu'ici. Parce que comme ça, faudra faire vraiment la pointe correctement. Et ensuite tracer les urnes, faire le point carré. Plein de petites techniques pour avoir les ardoises bien alignées. Et
puis comme ça je pourrai mettre l'écran sous toiture partout et il neigera pas dans la maison. Bon, ben fin de chantier. J'ai arrêté à 1m50. Ça a été un chantier très rock'n'roll encore une fois. Plus qu'à démonter l'échafaudage et à le remettre de l'autre côté.